passe-partout. Fais-moi penser la prochaine fois, je vais t'équiper d'un GPS. Ça nous fera des vacances à tous. Bon, avec ce pied marin, la possibilité d'avoir donc peut-être une 7e clé. Et c'est Merwan qui a été choisi par le père Foix. Il faut que je me ressaisisse là. Alors allez, là, tu as eu le temps. Oui, non, j'ai eu le temps de visualiser. Il y a une clé qui est cachée dans la cabine d'un bateau. D'accord. Le problème, c'est que ce bateau est en pleine tempête. Okay. D'où pied marin. D'accord, très bien. Tu regardes partout. Regarde oui, bien. Partout. C'est là. Go. Regarde bien, hein. Qu'est-ce que je veux? Oh putain. Oh putain. La clé. Concentre-toi. Regarde bien tout autour de toi. Dans les armoires, dans les tiroirs, dans les feuilles. On en parlait pas d'abord si vous voulez lui dire quelque chose parce qu'il y a beaucoup de monde. Merwan, regarde dans les armoires, dans les tiroirs, dans les feuilles. Le plongeur. Eh, hey, dis donc. Bien débrouillé. Regarde bien dans les tiroirs. On est toujours au milieu marin maintenant, mais Merwan. C'est en pleine tempête. Dans les paniers. Allez, Merwan, allez. Continue, t'as du temps encore. Quoi? Continue. Il fait la paix des jeux. Il a du temps. Je vais pas aller jusqu'au fond, mec. Je sors. Il faut que tu ailles jusqu'au fond. Va jusqu'au fond. Il faut qu'il sorte maintenant. Sors. Ouais, bravo. Bravo. C'est dur, hein. Vas-y, vomis.